Exacto. Samedi 21 novembre 2020. Voilà.
et ça m'a fait pleurer. Ah ouais, ça me fait pleurer. C'est horrible. Je vais voir si elle est solidaire, mais pas du tout. Qui ? À du 9-3. Ah ok, c'est vrai, tu ne m'as pas manqué. C'était quoi, je te le dis. Elle allait faire des photos, mais elle est revenue. Ça va? Allez, je voyais son anniversaire. Comment va le Canada? Ça va bien, le Canada va bien. Bah, c'est un peu pire qu'ici, le Canada. Hein. Le Canada n'est toujours pas libre. Hein? Le Québec n'est toujours pas libre. Non. On va prendre le bateau, on va y aller. Ah, ça nous prendra un nouveau Charles de Gaulle. Exactement. Ouais. Après, on sort pas. On n'attend rien de lui, franchement. On va voir ça. Ouais. Ah, ça va. On est venu voir les trois manifs, les quatre manifs. Il y a est-ce que tout ça, c'est où les droits de l'homme, c'est? Ouais. C'est où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Je crois qu'ils sont là. Ah, peut-être, je sais pas. C'était quoi ton petit nom, toi? Yannick. Ah, Yannick. Tu t'appelles comme ça sur Facebook? Ah, mais... Fuck God. Macron rappelle à l'ordre. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. De repérer des gens, mais t'avais quoi? Va devant toi le métro, l'entrée du métro. Ouais, t'as des clés? Ah voilà, c'est en train de pointer des gens. Ouais, quand tu mets un alit, me diras. Je connais.
tout compris dans la lutte contre le terrorisme. Parce que le gouvernement se saisit de tout. De la lutte contre le coronavirus, de la lutte contre le Covid-19, pour nous embrigader, pour nous mettre au pas, pour nous habituer à obéir et à nous taire. Ce projet de loi est en quelque sorte un arsenal répressif préventif. Oui, c'est préventif. Le gouvernement, il a été nul au niveau de la prévention sanitaire, c'est évident. Mais au niveau de la prévention des mouvements sociaux, des contestations, des grèves, des révoltes, on peut dire qu'il s'y prend bien en avance. Qu'avez-vous à dire? Je voudrais dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici, qu'on va avoir un avenir plus dur, plus répressif et plus autoritaire. Tout simplement parce que c'est une, on vit aujourd'hui une crise grave, une crise qui s'accélère sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, et bien sûr, ce sera aussi sur le plan politique. Sur le plan politique, on a un gouvernement qui est du côté exclusivement du grand patronat et qui est prêt à imposer pour la population, pour les travailleurs, un recul inédit. Alors moi, je suis convaincue qu'il y aura des luttes importantes, des combats importants à mener, mais je le dis, ces combats, pour les mener à bien, il va falloir de la détermination, il va falloir de l'organisation et il va falloir de la conscience. En tout cas, nous en serons pour la liberté individuelle. Merci. Ouais.
On est réquisition le droit logement. Ah ouais, bah l'idée c'est tu inscris pas grave. Excusez-moi. Bien, on va aller au début. Ça te dit comme ça on voit. Moi, je vais attendre ton signal. Je vais attendre ton signal, comme ça. Bonne fête.